sommes avec Marpon et Edwin, milieu de terrain de AS Gosselies. Donne-nous tes impressions du match. Ah ben bon, aujourd'hui je pense qu'on a fait une bonne entame. Une bonne entame comparée à d'habitude, parce que chaque match qu'on commence, malheureusement on n'avait pas de chance ou on avait un problème de concentration. Et là, on a su montrer du sérieux, du caractère, surtout après la défaite en Coupe de France qui nous a laissé un goût amer. Et bon, on a rebondi, on a fait le travail et on continue. Hein. On a senti que vous avez perdu un rythme sur la deuxième période. C'était dû à quoi? Ah ben, on a joué cette semaine. Eux aussi, ils ont joué. Mais bon, je pense que nous, on a couru quand même derrière le score mercredi. On a rien lâché malgré tout. Et je pense que ben, ça s'est fait ressentir un peu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a essayé de plier le match le plus rapidement possible et après essayer de gérer et voilà quoi. Donc par rapport à tes expériences, parle-nous un peu de tes expériences extérieures mais aussi locales depuis ton retour. Ah ben local, ben, l'AS Gosselies m'a accueilli. Ça se passe bien comme j'ai dit et je redis. Jusqu'ici tout va bien donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et bon, ce qu'on peut gagner, eh ben, on le gagnera tous ensemble. Une chose que tu peux parler justement de cette expérience extérieure, de cette expérience locale, depuis que tu as vécu ce championnat. Une chose qui te traverse l'esprit, quelle est la première chose qui te traverse l'esprit footballistiquement? Alors là, on met un point d'interrogation. Ok, d'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup. De rien, merci.